Et hey yo tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur VLife en administration. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal de bans. Et surtout, des insultes venant d'un enfant de 10 ans. Mais vous allez voir, il a pété un câble quand il a sorti ça au mec. Mais au moins, il a assumé derrière. Ce qui ne l'a pas empêché quand même de prendre un ban minimum. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. Comme d'habitude, bah un maximum de likes si tu veux revoir de l'administration. Et puis je pense que la prochaine vidéo admin, ce sera sûrement sur GTA. Allez, c'est parti. Let's go. Si tu te mets à fond dedans et que tu kiffes ton truc. Et que tu kiffes ton truc, tu vas clairement. On sait jamais, hein, ça c'est par prévention. Bon, je vous cache pas, là, j'ai ban un mec parce qu'il avait une arme. Dès qu'il a vu un mec, il a sorti, il a voulu commencer à viser le mec pour lui tirer dessus. Donc avant que le mec se fasse free kill, j'ai préféré lui mettre un ban. Je vais partir sur le fait que mon instinct était très bon et que le mec courait en ville avec une arme, hein, comme vous avez pu le voir. Et dès qu'il a vu un mec, il a commencé à viser ce mec-là. Donc pour moi, c'était du free kill volontaire qui allait se passer. Donc, Surtout qu'en plus, c'était un civil avec une arme lourde. Donc un civil avec une arme lourde, c'est complètement interdit sur le serveur. Donc bon. TP toi. Mais frère, lui, il me casse les couilles en fait. Talam, faut que t'arrêtes de spammer tes tickets parce que la prochaine fois, je te mets un ban pour spam tickets là. Allo? Ouais, désolé. Ouais, parce que je suis pas ton chien, ok? Et tu fais pas des spam tickets. C'est quel props qu'il faut détruire? Bah, tout, parce que c'est marché et c'est bizarre. C'est bon, je vais t'enlever, bonjour à toi. Non mais regardez comme il m'a spam. TP toi s'il te plaît. Eh c'est bon frère, on l'a vu ton ticket, calme. En plus pour supprimer des props, tu vois, c'est pas un truc genre tu vois. Quelle est ta question? Allô? Je peux savoir si mon pseudo j'ai le droit de le mettre ou pas parce qu'il est pas connu en fait dans vas-y, le descends de la voiture, je sais pas comment tu t'appelles, je vois pas. Je m'en fous moi. Bah parce que c'est un pilote de Formule 1 in real life donc. Mais non, c'est un pilote de Formule 1 Max Verstappen. What the fuck mec? Mais non, mais je m'en bats les couilles, t'inquiète. Non, vas-y, pour moi. Juste évite de tomber en panne comme lui avec sa Red Bull, quoi, c'est tout. Hein. Ouais, t'inquiète. Ah, c'est un connu. Bien sûr que je connais la F1, les gars. Je me suis mis à la F1 cette année, donc je connais, tu vois. Ah, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils branlent? Ok, je fais quoi? Je banne les 3 ou pas? Je fais quoi là? Je banne les 3 d'un coup? Ah, hein non, mais là. Je fais quoi là? Je banne les 3 d'un coup là? Mais non. Bah vous faites quoi là? On attend une inter, c'est pour ça. Vous attendez une inter. Et quand vous attendez une inter, vous vous courez après, vous me notez. En plein milieu de la ville. En tant que SWAT, c'est la première et dernière fois que je vois ça, sinon on je vous pas ban. Faire ça, hein. Je vous le dis direct, hein. Dernière fois. Ça marche. Bon jeu. Désolé. Hein. Du coup, t'as fait un ticket contre des flics qui t'ont free arrest, c'est ça? C'est le Johnson 9595. Attends, ah, c'est un SWAT en plus, ok. Ah, je sais le problème. J'ai cette personne qui se plaint de toi pour parce que tu l'as arrêté pour aucune raison et qu'en plus t'aurais fait du metagaming. Bah moi en fait, j'étais tranquillement à la pompe à essence parce que je testais ma nouvelle RS4. J'étais en train de faire le plein quand c'était le moment de partir. Il m'est rentré dedans avec son véhicule. J'avais pas vu qu'ils étaient en pleine intervention, mais moi, tranquille, je voulais. Du coup, ils m'ont rentré dedans, je leur ai dit que je voulais jouer l'assurance, parce qu'il m'est rentré dedans, il a fait des dégâts à ma voiture. Ouais. Et là, il me dit « Ouais, descends », il me pointe avec une arme. Il me dit « Ouais, alors je vais t'arrêter », je lui demande pourquoi. Il me dit « Ouais, je sais plus quoi, t'as aidé un braqueur à s'enfuir ». Et je comprends pas pourquoi il me dit ça. Bah parce que je pense qu'il m'a reconnu avec mon costume. Alors que normalement, voilà, il m'a dit. C'était ouais, son collègue qui faisait le braquage. Bah, je connaissais pas moi mon collègue. Moi, je voyais pas. Ouais, comment tu peux savoir que c'est son collègue? Je peux savoir que c'est son collègue. Alors, j'ai expliqué ma version d'abord. Alors, il arrive, il fait son plein normalement, tranquillement, on lui dit rien. Et au pile au moment de partir, il se met devant nous, il passe dans l'herbe, il passe devant nous pour nous bloquer et du coup je le rends dedans et j'ai reconnu le même costard, même tête et tout ça, donc à un moment. Oui mais non ça n'existe pas ça. Ça c'est du metagaming du coup ça n'existe pas. Donc, ok pour le méta, c'est quand même un peu du méta. Ça, après par contre tu peux l'arrêter pour obstruction à agent parce qu'il est rentré sur une zone où il avait pas rentré et en effet t'avais pas rentré dans cette zone vu qu'ils étaient en intervention et que vu que tu les as bloqués que tu leur as rentré dedans, bah ils peuvent t'arrêter pour ça. Par contre l'arrêter pour association etc juste parce qu'il a le même costume et la même couleur de voiture, ça c'est non, ok.
Bon, je vais pas te mettre de vente pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, évite le metagaming, ok? Par contre, le fait que tu l'arrêtes, parce qu'en effet, il te bloque, peut-être même sans faire exprès, ça, je suis ok avec toi. Mais par contre, la prochaine fois, évite d'arrêter sous le fait du costume, ok? Et de la voiture, surtout. Ouais, après, moi, dans ma tête, c'était comme ça, oui. Ouais, mais dans ta après, tête, si c'est comme ça, après, dans ton AP, ça y joue aussi, tu vois, donc fais évite. Mais je lui ai pas mis de warn, parce que, tout simplement, cette personne n'avait aucun warn et ne méritait pas un warn pour ça, tu vois. Salut. Salut. C'est quoi que tu veux faire comme marché noir? En fait, c'est de la vente d'armes. Genre, j'achète des armes. Ouais. Non, parce que tu vas niquer le business du vendeur d'armes normal. Ah oui, bah oui, je suis bête. Bah oui, le vendeur d'armes. Bah oui, merci. Hein. Par contre, si jamais il y a des mecs qui cherchent des armes ou quoi, tu sais, tu peux toi aussi leur vendre pour te faire un petit billet. Tu leur vends juste beaucoup plus cher que le vendeur d'armes, oui, c'est voilà. Tout, tu vois ce que je veux dire? Oui, par exemple, ouais, j'ai compris. Allez, bonjour à toi, Davis. Eh, Virgo, c'était le meilleur. Eh ben, bah, merci beaucoup, mec. Mais c'est pas moi le meilleur, mais merci beaucoup, mec. Allez, bon jeu. Ton pain RP à toi, là. Oh. Connard. Salam. Bon, t'imagines qu'il y a un problème? Ouais. Pris ton dernier warn en janvier. Ok, bon. P plus conduite no RP. Voilà, je t'ai mis un warn. Je t'ai mis un warn pour conduite no RP et no pain RP. Et que je t'envoie plus conduire comme ça, ok? Ah, yes. Joli HRP de l'autre. Ah, ouais, putain, l'autre, je l'ai entendu dire connard, tu t'en payes une RP. Mais je crois que c'est Max Verstappen. Ah, Max Verstappen, je l'ai vu te rentrer dedans, mais t'es pas obligé de l'insulter, de faire du HRP vocal. Bah, enfin, c'est bon, ça son pote, il m'a commencé. L'autre aussi, il m'a saoulé là. Ça fait 3-4 fois là que ça m'arrive dans la même journée que les gens me foncent deux. T'as pas à le faire, t'as pas à le faire. Je l'ai warn, il prend une sanction, mais toi, t'as pas à le faire, t'as pas à te faire du HRP vocal et encore moins à l'insulter. Ah, je te mets un warn, la prochaine fois, c'est un ban par contre, hein, je rigolerai pas, Verstappen. Alors, bonjour, j'ai un problème avec vous. Oui. J'ai cette personne qui avait une arme dans les mains et qui vous visait avec une arme et vous avez sorti votre taser et vous l'avez tasé. Je veux savoir where is. Mais c'est pas moi, c'est mon collègue. Quentin, okay. Je vais mieux t'expliquer. Du coup, les flics, je descends de ma bagnole. T'as son collègue du coup qui est armé, qui a une arme d'épaule. Le mec sort son arme genre 2 secondes après moi. Ok, encore ça, c'est bon. Je le colle, hein, je lui dis de lâcher son arme. Du coup, lui, il est au taser, du coup, chill. Mais lui, du coup, va venir prendre son taser avec son... Bah, du coup, ranger son arme, il va prendre son taser et me taser direct, tu vois, déjà... Enfin, Irel, va prendre son taser et taser un mec avec une arme de loin, tu vois. Monsieur Black Hole. Déjà, la... Monsieur Black Hole. Il est trop rigolo, lui. Donc, c'est quoi votre version, pas, les fais... Attends, c'est mon stop, toi. Moi, perso, je suis totalement d'accord avec lui. Mais il me collait, en fait, et bah ouais. C'était juste là. Il me collait, après il est reparti vers sa voiture, il est parti vers la route, et moi j'ai fait les 3 sommations. Mon taser, je l'ai pas entendu les faire. Bah déjà, il peut pas t'entendre les faire, puisque t'es loin. Il a pas fait les sommations. Et en plus de ça, quand t'es au taser, quand tu fais ça, tu n'as pas le droit de taser la personne quand t'es braqué par une arme. Enfin, quand elle est braquée par une arme. Après, juste, comme ça, 19, le black hole... Juste, le black hole, il a quand même fait du no-fear, parce qu'on était deux. Pour ranger son arme. Dans les mains, mon ref, je fais une course poursuite, je vais jusqu'au bout. Je vais pas laisser mon action et me rendre comme ça, en fait. D'accord. Ça, je comprends, d'accord. Après, c'est à vous de la battre. Hein. D'accord, mais ça, j'ai compris. Vous pouvez m'abattre. Après, par contre, s'il fait un ticket pour free kill, là, c'est sur Luxaton, c'est pas sur vous, tu vois. Miguel. T'as déjà pris un warn aujourd'hui, Miguel, hein. Ah non, c'était hier. Ah, mais non, c'était hier, ouais. Le 16... Ah non, c'était le mois dernier. Ok, c'est le mois dernier. Ok, je te mets juste un petit warn. Oui, c'était le mois dernier. Juste, monsieur le Black Hole. Monsieur le Black Hole, il fait trop rien. Est-ce que je peux avoir le Discord de votre famille? Voilà, je t'ai juste mis un petit warn, Miguel Laurence. Vous le libérez, vous faites genre, il s'est rien passé, ok? Ok. Juste là, il me donne le... Ouais, t'inquiète, y'a pas de problème. Vas-y, il me donne le Discord de la Black Hole. Merci. Bonjour, monsieur François McDo. Et juste, merci. J'ai une question, monsieur. Oui. J'ai une question. Oui, dites-moi. Monsieur. Oui, dites-moi, ah, monsieur. Oui. Pour les dégâts du Dragon Lore, donc de. Attendez, de ce sniper-là. Oui. Faut faire un ticket sur le Discord ou. Oui. C'est un ticket sur le Discord. Ah, ok. Directement sur le Discord. Et là, il va falloir qu'on y aille vite.
Allez, bonjour à vous. Ok, ok. Là, faut falloir qu'on y aille vite. Il y a un braquage de super-héros, je crois. Déjà, il est trop mimes. Il est trop, trop mimes, ce mec-là. J'adore. Bon. Quel est ton problème, Max? J'allume le générateur, les lampes, elles s'allument pas. Tu vois? Ouais, je vois, je vois. Ouais. Faut que t'appuies sur le power en haut. Regarde en haut, il y a un power, faut que t'appuies dessus. Ah ouais, je suis con. Mais voilà, mais après. T'es en vidéo là? Après, si vous avez deux de QI, ouais, bah là, ouais, tu vas passer en vidéo, comme quoi t'as deux de QI, Max Banker. Bravo. Mais ouais, mais frère, désolé, je savais pas. Bah maintenant, tu sais. En vrai, je fais le mec, mais j'ai quand même demandé dans le chat comment il pouvait faire, alors que moi aussi, j'aurais pu dire, bah t'as juste appuyé sur power, mais je l'ai pas eu parce que je suis aussi bête que lui en fait. C'est la personne que t'as tué qui t'insultait parentale, Nardo? Oui, excuse-moi. C'est la personne que t'as tué qui t'insultait parentale? Ah ouais, 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 ah ouais, y'a aucune raison, hein, je t'assure, y'a aucune raison. Ok, ouais, c'est bon, excuse-moi. Ouais, du coup, en gros, tu vois, il était devant devant les garages et il me dit, genre, il passe devant le garage, il dit, ouais, le SWAT, il manque de professionnalisme. J'ai dit, ok, d'accord, si tu veux, très bien. Mais maintenant, bouge avec mon stun bâton, tu vois, genre, je le prends comme ça. J'ai dit, bon, maintenant, comme ça, j'ai dit, bon, maintenant, circulez. Ouais. Il me dit, ok, je circule. Après, il part avec son véhicule. En roulant, il dit, maintenant, baisse ta mère la pute. Excuse-moi pour le langage, hein, mais voilà. Voilà, c'était clair, net et précis. Ouais. Est-ce que t'as vraiment lâché un baisse ta mère la pute? Ouais, parce que le mec il me fait le coup là. Eh ben, mauvaise réponse. On n'insulte pas les darons ici. Allez. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi aussi. Au moins il est honnête, bah au moins il prend 2 heures. Au moins il prend 2 heures quoi. Il prend pas un ban permanent, il prend juste 2 heures pour insulte grave HRP. Mais je veux pas ça sur le serveur. Ah mais il est... Mais what? Attendez. Salam! Ouais, je peux savoir comment tu conduis? Ouais, je t'entends. Bah ouais, mais c'est urgent là. Comment ça c'est urgent là? Donc de faire des drifts et tout, c'est normal en ambulancier? De se taper des poteaux au niveau du comico, etc. et de pas jouer son paint, c'est normal? Ah ouais, j'ai pas fait exprès ça. Hop! Je viens de te mettre un warn, la prochaine fois c'est un ban. Est-ce qu'on est ok? Ok. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un maximum de likes pour me soutenir et pour montrer que tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux en revoir. N'hésite pas aussi à commenter si jamais tu as des choses à dire. Et tu t'abonnes et tu mets la cloche, c'est le plus important pour louper aucune autre vidéo sur la chaîne.